Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Tshiwewe Songesa Christian, a ce vendredi 21 octobre 2022 effectué une visite de travail à la base logistique centrale des forces armées de la République démocratique du Congo, située au camp lieutenant-colonel Kokolo. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général a présidé une réunion à huis clos avec tous les officiers généraux et supérieurs du corps logistique. Après la réunion, le lieutenant-général Tshiwewe a visité les salles des cours récemment réhabilité et les centres de santé en construction. Signalons que le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a été accompagné dans sa visite de son adjoint chargé de l'administration logistique, le général-major Kasonga Sibango-Léon Richard, et du sous-chef d'état-major en charge des renseignements, le général-major Daïwel Okoua Christian. Par ailleurs, il s'est signalé que cette visite est la première que le général Tshiwewe a effectuée dans les grandes structures de notre armée depuis sa prise de fonction. Ainsi prend fin la séance de votre visite. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Merci, vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo et dans la diaspora. Ce matin, nous sommes le samedi 22 octobre 2022. Voilà. Nous recevons en direct et en exclusivité pour vous Gédéon Sepengo, président de la Ligue des gens de l'IDPS. Honneur qui vous. Gédéon, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs, les fidèles de Congo, Congo Live TV. D'accord. Ce matin, nous avons en tout cas un sujet, s'il faut dire, un sujet que nous allons analyser ensemble qui est lié à la reprise des affrontements entre les FARDC et l'M23. Il faut en tout cas préciser que les affrontements ont repris depuis hier vendredi 21 octobre dans la matinée entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 dans la zone de Rangira. Nous sommes dans les groupements de Jomba en territoire de Rutshuru. Selon plusieurs sources, des tirs d'armes lourdes et légères se sont attendus dans la zone depuis 5 heures, heure locale, obligeant des centaines d'habitants à se déplacer vers les chefs-lieux du territoire. Plusieurs sources civiles et administratives dans la zone renseignent que les M23 positionnés sur les collines Mukarenge et Chouemoua dans les groupements voisins de Bouéza larguent des obus sur les positions des FARDC à Rangira. Ces sources ajoutent qu'au moins des civils, un jeune d'environ 18 ans et un homme de plus de 50 ans ont été blessés et évacués pour des soins vers retour au centre, alors que les villages de Rangira est en train de se vider de ses habitants qui prennent la direction du chef-lieu du territoire. En revanche, dans un communiqué publié jeudi par le porte-parole, la Wanse Kanyuka, du M23, bien sûr, les mouvements accusent l'armée congolaise d'avoir attaqué sa position de Rangira. Les attaques auxquelles il serait en train de répliquer en légitime défense, dit-il. Les porte-parole des opérations militaires Sokola D n'a pas été joignable pour réagir à cet effet. Mais des sources de la société civile locale de Jomba indiquent par contre que les FARDC ont répliqué jeudi à l'assaut des rebelles du M23 depuis 15 heures locales. Jusqu'à présent, précise ces sources, les FARDC maintiennent leur position et gardent le contrôle sur les deux villages Kibanda et Rangira du groupement de Jomba, alors que les rebelles occupent toujours les 6 autres villages de Jomba, dont Bunagana. Gédéo Sepengwa, reprise des affrontements, qu'est-ce qui se passe? Bien, nous venons de suivre cette dépêche de nos confrères de la Radio Okapi qui
nous retrace en tout cas la situation. Mais vous, au moins, quand même, parce que vous suivez cette affaire de près, vous maîtrisez ce qui se passe sur le terrain. Il y a quoi encore? Non, ce qui se passe, c'était déjà attendu par la population congolaise et par nous. C'est ce que la population était en train de réclamer aussi auprès de nos autorités pour chasser l'ennemi M23 hors de notre territoire. Mmh. Alors, c'est arrivé comme on l'attendait et nous sommes en train d'encourager et d'attendre la victoire préméditée déjà de notre FRDC sur l'ennemi M23. Au fait, c'est que les gens n'avaient pas compris ce qu'il y avait un préalable pour lancer ces offensives. Le préalable était sur les plans stratégiques, parce que la stratégie est définie comme l'art de gagner la guerre. Et la guerre, c'est fait. Avant de faire la guerre, il faut d'abord la gagner. Mmh. Et je pense que tout ce que les gens ont estimé comme retard, ce qui a fait ronger les frais du côté de la population, cette impatience, c'était en fait sur ce côté-là, le côté stratégique. Quand je parle du préalable, est-ce que le président avait compris qu'il devait commencer quelque part avant d'affronter ces défis? Et nous avons vu tous que avant même, on décriait l'infiltration de notre armée et nous avons vu tous la restructuration de cette armée pour ne pas dire déjà de sa réforme, parce que et aussi dans le cadre de la réforme, il faut, c'est l'objectif, c'est pour dans le cadre de la restructuration, l'objectif c'est pour réformer en fait, on commence par là. Et là, nous avons vu et on donne raison à tout cet acte qui s'est passé à nos autorités, qui avaient compris qu'on devait lancer ces assauts avec des personnes sûres, patriotes, qui ont le souci de faire leur travail ou d'exécuter leur mission qui les sont révolues. Alors, ça a commencé avec la reprise des hostilités ici à Nirangira. Oui, Nirangira. Nirangira et, n'est-ce pas, les autres localités. Nous sommes ici à Goma, mais on comprend que la résistance est tellement forte, la détermination de nos FRDC est tellement. Où est cette détermination que vous dites des FRDC? On sent la détermination. On sent la détermination. On est en train de parler aux militaires. D'ailleurs, on sait depuis longtemps que nos militaires étaient déterminés pour en finir avec cette situation dont on était impatient. On était impatiente. On sait voir comment nos forces armées sont en train de se comporter sur le terrain. Il y a des armes lourdes qui sont utilisées. Ça veut dire que, franchement, c'est le début de la fin de cette situation. Alors, pourquoi les FRDC n'attaquent pas concrètement M. Gédéo? Parce que ça fait un moment. Aujourd'hui, plusieurs sources sur place nous parlent que c'est les M23 qui ont attaquer. Alors, la question, c'est savoir, est-ce que les FARDC attendront toujours qu'elles soient attaquées par les M23 avant de répliquer? Oui, je ne suis pas dans cette guerre des médias. Qui donne des informations, mais je sais qu'au moins, ce qui est important, ici, nous sommes en train de parler, il y a des affrontements, les FARDC sont en train de menacer le côté M23. Vous avez attendu sur... Donc on peut suivre, on peut déjà dire, prendre en considération les communiqués du M23 qui accusent les FARDC d'avoir attaqué leur position. Bon, qu'on tienne compte de ça ou pas, mais ce que le M23 attendait, c'était ça. Il n'attendait pas une autre, il n'y avait pas d'autres options parce que l'option diplomatique ne semblait pas avancer.
pendant que les gens étaient en train de souffrir, vous savez la situation là, il y avait des pillages systématiques qui les portaient des paisibles citoyens qui étaient cassés à tout moment pour emporter tout ce qu'il y avait. Les tôles même sur des maisons qui étaient arrachées et vendues, ils ont fait souffrir la population. Ils devaient s'attendre à quoi ? À des attaques du côté des FARDC. C'est ce qui est en train de se passer. Et voilà que nous disons que ce que nous voulons refuser, c'est que ce sont des attaques par atermoiement. À un certain moment, ça commence, à un certain moment, on relâche encore, on attend nos options diplomatiques, il faut encore privilégier. Nous avons épuisé, je passe, avec cette option qui est diplomatique. Et l'option militaire qui reste privilégiée, selon les dires du président de la République, a commencé. Et nous pensons que c'est la fin des M23, c'est la fin, disons, c'est la démonstration des forces. Des forces congolaises par la force rwandaise. Alors, les M23 réclament toujours plusieurs villages dont il occupe, donc il est en tant que mouvement. Comment comprendre cela? Ici, on nous parle en tout cas plusieurs villages, au moins 6 villages, dont également la cité de Bunagana. Il revendique ces villages. Ils revendiquent à terme de quoi? Que c'est leur village ou LM23, c'est qui pour revendiquer ça? C'est nos frères congolais. Non, bon, ce débat est révolu, ne revenons pas dans ce débat, nous savons là où vient le M23. Et puis ce village, c'est quel village? Le M23 Kongi où? Vous voyez? Prouvez qu'il n'est pas là, non? Alors non, nous savons qu'il a occupé Bunagana, ils sont dans des collines, Tchanzu, Runyonyi, c'est là où ils se retrouvent. Mais dans une partie là des Jomba. Une partie des Jomba, je ne vois pas, je ne sais pas si c'est... Presque Routchour. C'est vous qui le dites, mais je ne connais pas. Ce n'est pas moi, ce sont les connais pas d'autres sources locales. Oui, pour montrer qu'ils sont aussi forts quelque part, qu'il y a des parties qu'ils occupent, mais alors qu'il n'y a rien d'important qu'ils occupent, sauf que c'est le territoire congolais, il n'y a pas de petites parties, c'est ce qu'on veut dire. Alors, nous sommes en train d'appeler déjà à l'FARDC ou nos autorités à finir comme on a déjà commencé. Ces zones, tout notre soutien, nous, la population congolaise, comme nous l'avons toujours fait d'habitude, nous attendons cette victoire. Ça a fait une quasi-humiliation à l'État congolais, car on dit qu'il y a une partie, plus de 100 quelques jours, qui est occupée par les petits groupes rwandais qu'on ne connaissait pas mettre de fer militairement. Alors, nous pensons que ça va nous réconforter encore, et c'est ce qui se passe. Nous condamnons seulement les injonctions que donne toujours la communauté internationale. Je pense qu'il faut fermer les yeux sur ce qui se passe de l'autre côté de nos frontières et savoir que l'affaire du Congo, l'affaire de notre territoire, c'est une affaire souveraine et nous devons l'affronter à tant que telle, pas avec les injonctions de ces gens-là. Nous avons attendu le Human Rights Watch qui a déclaré non, voilà. Ils sont en train d'utiliser l'EF de l'air, ils sont en train d'utiliser ça, ça nous équerre. On a lu tous ces rapports, nous l'avons suivi, comment ça a été relayé dans plusieurs médias. Collaborer avec l'EF de l'air. Nous connaissons la stratégie de ces gens, c'est pour seulement affaiblir ceux qui sont au front. Ils savent qu'ils sont venus avec détermination, avec force. Ils sont en train de voir cette force et comment les fragiliser. Ils ne se sont jamais prononcés sur les massacres qui se passent chez nous à Beni, au tu cruellement. Ils ne se sont jamais prononcés. Quand nous, on veut mettre fin, je me rappelle encore, il y avait des frappes à Beni. C'est encore ces mêmes personnes qui commençaient à dire quand on attaquait l'ennemi ADF. Ils ont commencé à dire non, voilà, les FARDC sont en train de tuer les petits enfants, alors que ce sont les enfants qui sont détenteurs des armes, qui sont en train de décimer la population congolaise. Quand ils sont attaqués, ils deviennent des petits enfants, des paisibles citoyens. Vous voyez? Et cette complicité hors série,
ne va pas nous faire reculer par rapport à l'objectif de recouvrir la paix et la sécurité chez nous. Est-ce que pensez-vous que ces rapports rendus publics par Human Rights Watch est faux? Les rapports, pas vrai. Les rapports et ces accusations. Ces accusations sont d'abord fausses parce que elles sont partielles. Elles sont partielles pour l'objectif que Human Rights Watch connaît, pour la raison qu'il soit ici chez nous en République démocratique du Congo. Je voulais qu'il aille aussi déclarer à Russie, en Ukraine, pourquoi pas toujours chez nous. Et quand nous, on est tués, chez nous, ça chauffe. Il n'y a pas un sens inverse. Nous, on outille, on s'éteint. Mm-hmm. Nous, nous attaquons. Il y a un colonel, je me rappelle, qui était à Ituri, il a attaqué sérieusement les Codeco, que les soi-disant Codeco, nous savons que ce sont les mêmes personnes. Il voulait être arrêté, il y a des crimes contre l'humanité alors qu'il était en train d'attaquer l'ennemi. Toutes ces choses-là, nous connaissons. Ça, nous condamnons et nous devons nous comporter comme tel, maître fait, assumer notre sécurité sans écouter les voix qui viennent de l'autre côté. Nous avons épuisé toutes les voix pour chercher la paix d'une manière pacifique. Cela n'a pas été opté par nos partenaires sur le plan international. Merci. Alors, revenons sur cette question. La société civile locale dit que les M23 ont attaqué la position de l'armée congolaise du côté de Kibanda, près d'Ipo, Rwanguba. L'armée a répliqué farouchement. On parle des morts et des blessés du côté ennemi. Les rebelles, les M23, voulaient piller un véhicule transportant des vivres, dit la société civile locale. Tout à fait. Tout ce temps qu'ils ont passé, ils se regardaient hacher des faillas. Peu importe celui qui devait attaquer le premier, mais l'important pour nous, ce que nous attendons, c'est que les noms FARDC, le comportement de notre force armée qui, dont nous donnons déjà à 7% élevé de l'emporter parce qu'ils sont soutenus. Nul ne peut gagner la guerre s'il n'est pas soutenu par le peuple. Mm-hmm. C'est ça d'abord l'échec du M23. Ils ne sont pas aimés par le peuple congolais, ne sont pas soutenus par le peuple congolais, comme ils ne sont pas congolais. C'est une guerre injuste qui n'a même pas de revendications légitimes et donc ils finiront par mordre la poussière. Sauf que nous savons ce qui se mijote avec leurs partenaires. On sait qu'ils sont faibles, mais comment on devait leur donner de l'espace dans l'armée congolaise, dans la politique, pour encore nous réfiltrer? C'est l'erreur qui ne se fera plus jamais. Nous en avons l'expérience et nous savons les fruits que ça a donné. Et donc, ça, nous ne pouvons pas commettre les mêmes erreurs et nous condamnons ces gens-là qui sont en train de faire des démarches pour la cause du M23, les soi-disant politiciens congolais. Qui sont ces gens? Ils sont nombreux. Entre qui et qui? D'abord, la démarche de notre compatriote et allié, M. Vital Kamer, qui vient de s'essuyer avec sa position de vouloir encore récupérer le M23 comme il l'a fait en 2009. Mais c'est votre partenaire? Mais oui, nous sommes en coalition avec lui. Nous sommes en coalition, sauf que nous sommes en train de le voir par sa position s'écarter de nous. Nous le souhaitons bonne chance, mais les Congolais ne le soutiendront jamais dans cette position. Vous n'êtes pas les seuls Congolais, parce c'est vous qui l'avez dit. Tous les Congolais sont victimes. Vous parlez au nom de qui? De l'IDPS? Non, les l'IDPS, oui. Oui, mais est-ce que l'IDPS ne sont pas... L'IDPS n'est pas seulement les Congolais? L'IDPS est composé de citoyens congolais. Il y a l'INC qui est là. Mais l'INC, les citoyens congolais, des pères et des mères, qui sont dans l'INC, ne soutiendront jamais cette position. Vous n'êtes pas porté mal de l'INC? Je vous dis, c'est vrai. Il y a eu récemment des affrontements à la permanence de l'INC. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce qu'il y a de ces autres-là, congolais, qui ont dit que non, Kamer veut encore commencer avec cette saleté. Et ils se sont bâtis qu'ils ne sont pas d'accord avec cette position de Kamer. Arrêtez de relayer des mensonges, monsieur. Je ne relaye pas des mensonges, ils sont voisins à nous. Ah. Ils se sont bâtis là, voyez. Et donc, il y a des gens qui disent non à cette position. Mbindoulé, c'est compagnon de Kamer, vous savez. On l'a chassé. On l'a chassé parce qu'il a pris une position
une position attaquer congolais, pas attaquer compagnon de Kamere. Il a pris une position attaquer comme congolais. Alors c'est ça qu'on attaque, c'est ça que les Congolais. Discipliné. C'est pas un problème quand il prend sa position. Non, c'est on l'a pas. Si la position. Il ne voulait pas marcher selon l'idéologie du parti. C'est tout à fait normal. J'ai dit, vous êtes un politicien. Une idéologie qui vient fragiliser, qui raffraie la politique congolaise, n'est pas une, personne ne soutiendra pas et les autres vont se désolidariser. D'accord. C'est ça le danger que l'IEM est en train de courir. Nous tendons vers la fin de cet entretien. En conclusion, Gédéon, qu'est-ce qu'il faut quoi concrètement? Quelles sont les pistes de solutions pour arriver à mettre fin à cette guerre d'aller-retour? Parce qu'il y a des vies qui sont quand même... qui périssent, les gens se déplacent chaque jour, il y a parfois un calme qui règne, parfois il y a les hostilités qui reprennent, et quand il y a reprise des combats, parfois les gens se déplacent, il y a des pertes en vies humaines, il faut quoi, vous proposez quoi? Parce que vous êtes au nord, qu'il faut moins, vous vivez cette guerre. À Kinshasa, certainement, ils sont des guerres avec nous, c'est là où il y a tout, ils suivent ça aussi, mais vous vivez cette guerre, monsieur Gédéon, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Et également, je rappelle que vous êtes au pouvoir quand même, vous devez aider le chef de l'État, parce que on l'a vu aussi, un président qui a manifesté la volonté de ramener la paix dans cette partie du Congo. Vous proposez quoi? Qu'est-ce qu'il faut concrètement? Ah oui, pour nous qui vivons au Nord Kivu, nous passons... Nous devons se dépasser de la politique et parler en tant que citoyen, oui. En tant qu'imam, monsieur Gédéon. Oui, nous avons, c'est trop pour nous, c'est dire pour nous, nous avons vécu des tragédies inouïes, sans nom. Notre région a été équimée pendant la nuit des temps et nous en sommes victimes. Et tout ce que nous avions, notre demande, attaquer population, si vous rappelez bien, je passe à y des réponses. Parce que tout ce qu'on demandait, c'était la restructuration de l'armée. On n'était pas d'accord avec tous ceux qui géraient, tous ceux qui faisaient les commandements dans notre armée. Leurs trahisons étaient hors série, ça ne se cachait pas. On le voyait. Alors, on sait plus ce qu'on va demander. C'est comme si le président était avec le peuple, il a écouté la population et voilà, il a répondu à des préoccupations de la population. Je ne sais pas ce qu'il faut ajouter. Ce qu'il faut ajouter, c'est que nous voulons maintenant voir les actions sur le terrain parce que tout d'abord, les gens, si vous essayez de faire passer votre micro, baladeur, vous comprendrez que les gens ont été soulagés avec d'abord cette restriction parce que c'était leur demande depuis longtemps. Alors, cela étant fait, les hostilités ont commencé. Nous attendons, ce que nous ne voulons pas, ce sont des atermoiements dans les hostilités. Ça commence, on arrête, ça commence, on arrête. Il faut déjà à finir, comme nous avons déjà un commandement qui est sûr. Je ne pense pas que ça n'a pas été fait d'hasard. C'est parti de certains critères de compétitivité avec nos officiers. Donc, nous sommes en train de voir les gens que nous avons appréciés dans l'état passé, qui se sont bien comportés sur le terrain. Je parle de Kasiki là ici, qui est revenu. Si vous amenez Kasiki à Rutshuru, non, c'est une star parce que il avait fait preuve du patriotisme. À cette époque-là, c'était l'époque qui était. Parce que c'était le régime de Kabila. C'était le régime de Kabila, mais il s'est comporté autrement. Il a surpris les gens. C'est comme Mamadou, il avait fait. Kasiki l'a fait. Quand on l'a vu revenir, mais les gens se sont soulagés. On s'est dit que est-ce que le président nous écoute à travers les murs ou comment? Il a répondu à tout ce qu'on était en train de faire comme demande. C'est une bonne chose, mais la matérialisation maintenant, il faut que cette sécurité nous revienne. Nous en avons besoin, nous avons souffert pendant longtemps. Merci beaucoup, Gédéon. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Je rappelle également que le lieutenant général Christian Tshiwewe a effectué sa première visite, en tout cas,
En tant que chef d'état-major général des FARDC à la base logistique centrale de l'armée, nous allons vous proposer d'ailleurs ce reportage dès le début de cet entretien, que vous allez suivre les reportages et les images commentées. Donc, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là ce matin. Je ne quitte pas votre numéro de téléphone. Merci pour le moment accordé. Pour Congo Live TV, je suis sur les 09 90 74 63 54. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous fixe un rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Sinon, passez un excellent week-end. Mesdames et messieurs, nous vous disons bye bye.